business is always against the other guy. That's why it's not a sport for gentlemen. It's not for good people. I'm bad. You're very, very bad. J'ai repéré un truc qui va t'intéresser. Mauvaise gestion, changement de direction chelou. Ça pue la délocalisation dans la maison. J'adore quand tu m'envoies ce genre d'infos, là. Est-ce que j'aurais pu imaginer la veille de la Chine, moi? Délocalisation, toutes ces conneries, là. Rien ne vous a laissé penser que l'usine allait fermer. On a fait trop confiance, on s'est fait complètement tuber. Je vais vite retrouver un boulot. On s'en est toujours sorti. On va s'en sortir. Moi, la réalité, je l'emmerde, d'accord? Ce que je veux, c'est ma part du gâteau, point. Madame Leroy, je vous en prie, entrez. Donc, je cherche quelqu'un d'irréprochable pour le ménage. Moi, j'aime quand ça brille. C'est bien, ça, très bien. Ils ne savent pas qui si c'est nous les Roms. Nous, on fait l'amour, on vit. Hey, ça va pas le faire, ça. Hein. Mettez ça tout de suite, là. Papa! Oh putain de merde. C'est bien votre fils? Ouais. Putain de merde. Vous y connaissez, mon enfant? Je peux peut-être descendre à Monoprix et lui acheter un peu des jouets, non? Vous voulez me laisser tout seul avec lui, là? C'est con parce que tu pourrais être un mec super. Je comprendrai jamais rien aux femmes, moi. Vous aimez les femmes qui sont des vraies femmes. Elle est très jeune. Je veux que vous soyez là tous les jours avec moi. On interprète en femme. Maman, tu fais chier à jamais être là. C'est bon, on a compris que tu gagnes plein de fric. Le boulot, c'est pas simple non plus, hein. Yes! Travailler dans quoi avant? T'as Siffranor, ça s'appelait. Ça rigole. C'est moi qui ai désingué la boîte avec des copains. Désingué la boîte? C'est à cause de lui que la boîte, elle a fermé. Tu m'as trouvé de la Thalès 2011? Non, ils sont taquets chez taquets en ce moment, personne peut en avoir. Ah d'accord, on est marron en fait. Par contre, j'ai repéré un truc qui va t'intéresser. Un truc genre que j'ai fait, mauvaise gestion, changement de direction chelou. Tiens. Ça pue la délocalisation dans la maison. Et tiens-toi bien, à mon sens, l'action est totalement surcotée sans que personne s'en aperçoive. Ce matin, c'était encore en train de monter. C'est Vincent qui en a acheté un gros paquet là, tu sais pourquoi? Non, j'avoue, je comprends pas. Tu crois qu'il est short à 125,06? Non, je pense qu'il est bas, mais il a payé flat, donc c'est chelou. Ah, j'adore quand tu m'envoies ce genre d'infos, là. Bon, tu me mets un broker sur le coup, hein. Pas un tocard, un mec solide. Ton truc, là, je sens que c'est un gros coup. Marc? Non, Marc, il est... mais moi... Il y a que lui qui est sur le fleur, là. John fait du golf, il dit qu'il est à Venise. Ah, merde. Bon, bah appelle Marc, alors, et vite. Can you reach Mr. Greenberg in New York, please? Thank you. Salut. Salut. Alors, tu sais comment on t'appelle maintenant sur le floor? Non. L'humaniste. Et alors, je prends pas ça pour une insulte? L'humaniste. Ok, qu'est-ce que tu veux? Je suis peut-être un peu old school. Mais pour moi, notre boulot, c'est nerf de la guerre. On fait pas ça juste pour gagner de l'argent. On fait ça aussi pour les gens. Et bien sûr, monsieur. Toi, t'es en train de perdre le sens des réalités. Attends. Je t'arrête tout de suite, moi la réalité je l'emmerde, d'accord? Ce que je veux c'est ma part du gâteau, au point. Avec des mecs comme toi on est tous dans le collimateur, parce que tout le monde pense que la finance c'est la crise et que ça tue des emplois. Eh ben non, moi je veux dire aux gens qu'au contraire la finance c'est ce qui fait tourner la machine et qui fabrique des emplois. Bon, en tout cas moi je suis sur un gros coup. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Julie de trouver un mec solide. On a pensé à toi. Sachant que le montant global de ces indemnités serait plafonné à hauteur de 2 750 €, compte tenu des tantièmes calculés par tranche d'ancienneté sur l'ensemble des travailleurs, bah alors là, je suis larguée, les tantièmes. Tu sais ce que c'est, toi, les tantièmes? Moi, bah non. Et c'est pas le truc qui donne aux familles en difficulté? Les tantièmes? Bah ouais. Non, non. Tous les coups, ça veut dire que je vais jamais y toucher les 2 750 €. Faut que je demande à Jérémy. S'il connaît, lui, la fin de stage de comptage, je vais l'appeler. Jérémy. Tiens, à propos d'appeler. Putain, Lucie, c'est quoi cette facture de téléphone? C'est pas moi qui va payer ça, Lucie, je peux pas! Oh mais maman, je vais trouver un boulot bientôt et je vais la payer, mais... Mais quoi? Mais putain, t'es chiante, maman, là! C'est sûr que si j'avais réussi à me foutre en l'air, je serais moins chiante. Vas-y, maman, c'est bon! Tu peux pas dire des trucs. Moi, je veux pas que tu sois un légume et que tu refasses tes conneries, là! Ok, j'ai pas de boulot et je suis désolée parce que j'aimerais bien t'aider avec la thune en ce moment, mais bon, c'est juste pas facile, quoi! Dans un moment avec le hip-hop, je sens que je peux gagner ma vie. Avec le hip-hop? Lucie, dis pas de conneries! Tu crois quoi? C'est Madonna, ma fille. Elle va se mettre à danser puis elle va gagner des millions. Mais tu rêves, ma pauvre. Mais laisse tomber! Tu connais rien! Tu comprends rien, de toute façon! Bon, écoute-moi bien! Viens ici! Écoutez-moi bien, toutes les trois. J'ai 42 ans
Et peut-être que j'y comprends rien. Et que je suis effectivement complètement larguée. Mais il y a une chose que je sais. C'est que j'ai pas de dette. Et j'ai pas de crédit. Ok? Alors, je vais aller mieux. Et je vais vite retrouver un boulot. Et on va s'en sortir. On s'en est toujours sorti. On va s'en sortir. Et sinon, Sofiane m'a dit que vous faisiez cette formation, mais que pour des femmes immigrées. Ah oui, en général, on essaye d'aider surtout les gens vraiment défavorisés. Ben moi, je me sens assez défavorisée, hein, avec mon licenciement. Non, bien sûr. C'est vrai qu'avec leur délocalisation, vous êtes comme une femme immigrée dans votre pays. Oui, c'est vrai, c'est à peu près ça. Voilà, mais en tout cas, chez moi, vous êtes ici comme chez vous. Merci. Et si je suis votre formation, à votre avis, je vais pouvoir trouver du travail assez rapidement? Bon, chez Cali Propreté, on garantit pas forcément directement du travail. Mais ce qu'on garantit, c'est savoir-faire. Ok. Et donc, je peux suivre votre formation? Oui. Ah. Mais je peux vous demander un petit service? Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est à cause des autres femmes qui sont en formation. Si vous pouvez, par exemple, prendre un accent. Prendre un accent? Si ça vous gêne pas. Non. Parce que, vous savez, si elle voit que vous êtes française, ça va faire bizarre. Oh. Bah oui, mais je pourrais venir d'où, à votre avis? Ouais, comme vous voulez. Portugal, des pays de l'Est, Lituanie, Ukraine, comme... Tak. Postrenyaka. Ah, voilà, c'est... Madame Leroy. Oui. Stéphane Delarue, je vous en prie, entrez. Bon, je vous explique en deux mots parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Moi, ça fait 10 ans que je vis dans le monde de la finance à Londres. Je viens de revenir à Paris et je viens de m'installer ici. Et ici, c'est pas compliqué, je veux que ce soit nickel. Donc, je cherche quelqu'un d'irréprochable pour le ménage. Votre poète a déjà dû vous dire que j'ai refusé 2 personnes qu'elle m'avait envoyées, mais que les choses soient claires, moi, je suis ni un fou, ni un casse-couille. Je pense pas mettre quelqu'un d'assez sympa. Je veux juste que les gens qui travaillent pour moi se comportent convenablement et que le travail soit bien fait, c'est clair? Question? Je vous fais faire un petit tour, alors. Cuisine? Salon? Fond du couloir, salle de gym? La tour Eiffel? Ma chambre? Salle de bain, là-bas? Le hammam? Et où? On y va? Ouais, voilà. Sèche-linge, machine à laver, tableau passé. Voilà. Si vous avez besoin de me joindre, voilà mon numéro. Et en même temps, je suis assez difficile à joindre. Donc le mieux, c'est que vous soyez autonome, vous voyez. Parce que je vous en prie, me rajoutez pas des problèmes d'intendant, je déteste ça. J'ai pas envie qu'on m'emmerde avec tous les trucs de ménage, là, moi les emmerde jusque-là, ok? Puis c'est pour ça que je vous paye en plus. Excusez-moi. Ouais. Non, je te rappelle. Bon, autrement, j'espère que vous aimez la propreté, parce que pour moi, c'est important. Moi, j'aime quand ça brille. Ouais, c'est bien, ça. Très bien. C'est parfait, comme ça, on se comprend. Moi, on se parle, mais je me porte. Lundi, 9h? Je vous retiens pas. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir, madame...